Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief avec Hervé Gouletker, conseiller économique d'Accuracy, Bernard Cohen Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France et du think tank Étienne Marcel, et Jean-Philippe Cartier, président d'H8 Invest. Commence avec vous, Jean-Philippe Cartier. Comment se porte le climat des affaires depuis qu'on s'est vu il y a 3 semaines? Formidable, tout va bien. Non, non, plus sérieusement, climat un peu en tension. On n'aime pas trop l'incertitude, nous les entrepreneurs. Donc on est comme vous, on commente, on écoute, on donne tous notre avis, mais on nous a mis dans un joli merdier, pardon du terme. Voilà, on pourra malheureusement pas revenir en arrière, mais voilà, cette dissolution quand même crée un certain nombre de remous, et notamment des deals qui se décalent, voilà, des décisions qu'on ne prend pas, des financements qu'on attend de prendre, voilà. Donc, c'est clair, c'est-à-dire que le business est arrêté, les investisseurs... On a beaucoup d'économistes, de think tanks, de gens qui analysent, qui voient les choses, mais factuellement, ceux qui ont les mains dedans et qui font... Je viens d'ouvrir un gros projet dans le Sud il y a 10 jours, oui, évidemment, tout est plus compliqué. Mais c'est-à-dire que ce projet-là, par exemple, là, il est ouvert, il est fait. Projet-là, vous auriez pu le financer de la même manière, là, s'il avait été décalé aujourd'hui En tous les cas, je ne l'aurais pas fait aujourd'hui. C'est encore différent. Je ne l'aurais pas fait aujourd'hui. On est sur un gros projet d'un deal de rapprochement sur une de mes participations. On attend. Tout le monde dit on attend l'après 15 juillet. Enfin, la question est une évidence. Enfin, la réponse va aussi clairement que votre question. Tout est sous attente. On ne sait pas trop où on va. Encore une fois, ce que je trouve dommageable, on ne fait pas de l'après-coup, mais c'est des décisions très hâtives. On a des JO qui arrivent, qui sont gâchés quelque part déjà en amont. Et finalement, au moins d'attendre le 30 août, m'aurait paru une décision un poil plus sage. C'est l'entrepreneur raisonnable qui parle. Bon, on va refaire l'histoire. Mais c'est quand même une décision regrettable. On se bat tous pour un certain nombre de valeurs et pour que les choses soient plus apaisées que possible. Mais on a bien compris que ça ne serait pas le cas dans quelques jours. Juste Hervé, là, Jean-Philippe nous dit on attend. Mais dans les 3 scénarios potentiels, on n'aura que de instabilité de toute manière. Oui, vraisemblablement, la politique ne va pas être très stable en France. En fait, ce qu'on essaie de voir, ça sera le degré d'instabilité que la politique va nous donner. Donc, les retombées sur l'économie ne peuvent pas être très bonnes. Surtout qu'on vit un moment économique un peu particulier. En termes de conjoncture, ça allait en pente douce, un peu mieux. Il suffit de pas grand-chose pour remettre cela en cause. Et les premières informations qu'on a, même dans les indicateurs, l'indice PMI, donc l'indice des directeurs d'achat pour le mois de juin, il a connu un décalage vers le bas plus important qu'ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a déjà une trace. Et puis on voit bien qu'on a des tas de dossiers plus structurels à prendre en charge. Il y a la transition énergétique. Et évidemment, il y a le dossier de la défense, il y a le digital. Tout ça, ça va demander un consensus parce qu'il va falloir le financer. Comment fait-on? Et dans tous les cas, en termes macroéconomiques, ça veut dire plus d'investissements dans un contexte de croissance faible, donc en fait une consommation un peu en berne. C'est ça le message que tous ces challenges nous fait passer. Et en fait, on ne l'a pas bien expliqué aux gens et on l'expliquera encore plus mal dans un contexte de politique plus fragile. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'on regarde sur le court terme, qu'on regarde à un peu plus moyen terme, la politique ne va pas aider l'économie dans les mois et trimestres qui viennent. Bernard Cohen-Haddad. Écoutez, moi je crois qu'on était depuis 2022 dans une crise politique et sociale permanente. Je vous rappelle lors qu'on a eu quand même pas mal de mouvements sociaux, de risques de motions de censure, d'un gouvernement Attal qui était porteur d'espoir en janvier qui n'a pas finalement... Oui, mais on avait une politique de l'offre assez claire. Oui, alors par contre là on est d'accord, on avait quand même une stabilité vis-à-vis des entreprises et des projets et un gouvernement et une économie pro-entreprise. C'était presque le seul îlot, non mais c'est ça, l'entreprise était presque le seul îlot de stabilité avec un chômage bas quand même, ce qui permet d'avoir un pouvoir d'achat quand même. C'est justement ça aujourd'hui qui fait peut-être question, c'est cette difficulté à avoir cette zone de stabilité qui risque de tout simplement ne plus être là, parce que les entreprises, ça a été bien dit à l'instant, s'inquiètent, s'angoissent pas, mais elles sont dans l'attentisme d'une politique de l'offre qui va être maintenue et surtout de mesures qui ne seront pas anti-entreprises avec des programmes populistes qui sont quand même assez inquiétants en matière de taxation des dividendes, de taxation des revenus, de difficultés aussi liées à l'immigration, notamment pour les personnels, et puis aussi de difficultés liées à tout ce qui peut être les investissements, la production et l'investissement dans les territoires. Tout ça, c'est une vraie problématique, c'est vrai. La politique de l'offre était la seule zone de stabilité et les corps intermédiaires jouèrent leur rôle, malgré tout, vis-à-vis du gouvernement
et de l'espace public pour faire des propositions en ce sens. Jean-Philippe Cartier, je ne vais pas vous faire l'impact du programme du Front Populaire sur votre business, parce qu'on sait a priori aujourd'hui qu'il n'y aura pas de majorité nouveau Front Populaire, donc ce n'est pas la peine de se faire peur. Par contre, du côté du programme du Rassemblement National, là, sur les questions par exemple d'immigration, on a des chiffres, est-ce que vous, ça aura des impacts directs sur vos business ? Écoutez, je n'ai pas encore projeté plus que cela l'impact de tel ou tel programme. On en revient au point qu'on évoque à l'instant, c'est une forme d'instabilité. Le pôle économique Macron, BLM, autres, était un pôle qui fonctionnait. Bruno Le Maire. Voilà, Bruno Le Maire était un pôle qui fonctionnait. Plein de choses ne fonctionnaient pas, on le voit bien. Les gens ne se rebellent pas que par hasard. Il y a des choses qui ont été complètement oubliées. Et c'est pour ça qu'on en arrive là, parce qu'on oublie un petit peu aussi qu'il y a pas mal de souffrances dans ce pays. Pour autant, le pôle économique était un pôle qui fonctionnait. On avait une vision claire, on savait où on voulait aller. Je l'ai dit souvent sur votre plateau, nous, entrepreneurs, étions particulièrement écouté, ce qui était nouveau, ce n'était pas le cas il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, enfin depuis l'arrivée en tous les cas de cette gouvernance macronienne, on était plutôt suivi, plutôt écouté, donc nous on est bourré d'incertitudes, je ne peux pas vous répondre. Je pense que encore une fois, l'entrepreneur n'aime pas l'incertitude, voilà, les marchés n'aiment pas l'incertitude, l'investisseur n'aime pas l'incertitude, l'étranger qui vient n'aime pas l'incertitude, voilà. Vous dites on était écouté ces dernières années, la question est valable aussi pour Bernard. Moi j'entends aussi sur ce plateau, cette opposition entre TPE, PME et puis French Tech, entreprise de la tech, start-up qui réussissait à lever des fonds parfois sur des projets qui n'ont pas de sens et qui se plantent 3 ans après. Et ces entrepreneurs, notamment ces PME industrielles, qui elles avaient du mal, même dans leurs relations avec leurs banquiers, et qui en veulent à cette French Tech d'avoir capté toute l'attention. Moi, ça, franchement, je l'entends sur ce plateau. Oui, parce que il faut faire la différence entre la volonté en 2017 de créer un environnement pro-entreprise. Je crois qu'on l'a tous vu dans les négociations avec l'État, avec Bercy. Il y a toujours une vraie écoute, y compris avec l'État dans les départements. Je pense les préfets de région, les préfets, il y a une attention pour... On l'a vu avec la crise, la Covid-19, tout ce qui a été mis en place. Ne l'oublions pas, les fonds de solidarité, les PGE, etc. La dette ne vient pas de nulle part. Oui, donc il faut aussi garder raison. En revanche, il y a eu un effet médiatique sur la Startup Nation, j'allais dire au détriment de ce que j'appelle la PME Nation. C'est un peu dommage, mais dans les territoires, il y avait aujourd'hui un réajustement de tout cela, parce qu'on s'est bien aperçu, vous le savez Laure, mieux que quiconque, que sans les PME, je ne parle pas bien entendu des start-up, sans les PME dans les territoires, il n'y a pas d'engagement sociétal, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de création de richesse. Surtout si on veut faire du made in France, être plus local, faire de la production dans les régions, qui est aujourd'hui une attente, ça a été dit à l'instant, aussi des Français. On veut plus de proximité, y compris dans ses relations et dans l'emploi. Mais Jean-Philippe, est-ce qu'on en a fait trop avec la Startup Nation ? Non, mais moi, vous connaissez mon avis sur la Startup Nation. Je pense qu'on en a fait beaucoup trop et que certains nombre de métiers que je peux défendre souvent, comme l'hospitalité, comme la restauration, sur un certain nombre de choses dans lesquelles j'investis. Pour autant, je reviens sur les aides, on a quand même tous bénéficié d'une manière assez large d'un certain nombre d'aides au moment où on en avait besoin. Maintenant, je pense que je ne suis pas sûr que le retournement de la table actuelle, il soit lié forcément au fait que les gens pensent PME, Startup Nation. Je pense qu'il y a un problème. Dans les patrons, quand vous voyez qu'il y a 41% des patrons de TPE, PME qui votent RN, interrogez, ils vous parlent de ça. Oui, non, mais ceux-là, c'est les moins écoutés. D'entendre ce que disait Attal il y a quelques temps, il y a 8 jours ou 10 jours, sur le fait de proposer une prime défiscalisée complètement de 10 000 euros, voilà quelque chose qui va complètement dans le bon sens. Je pourrais l'avoir dit au ministre à peu près 50 fois. Ça me paraissait quelque chose d'évident, de nous donner des leviers en tant que PME pour donner des primes sans se faire écraser. Elle a fonctionné un temps, mais elle n'a pas été pérenne. Mais personne ne va jusqu'à 10 000 euros. Mais... Dans les 10 000, il y a 1 000. Dans les 10 000, il y a 500, il y a 2 000. Vous faites ce que vous voulez. Pour certains, c'est beaucoup. Oui. 500, 800, 1 000, 2 000. Il y a tous un temps. Je vais vous dire, la réalité de tout ça, elle est simple. Vous voyez dans des métiers, notamment du service, de l'hospitalité, on parle souvent de femmes de ménage dans l'hôtellerie ou autre, il y a un problème tellement puissant de revenus et de pouvoir d'achat que de toute façon, on en est là. Donc nous, on a augmenté les salaires, je l'ai fait massivement moi chez moi, ça ne suffit pas. Donc c'est quoi ? C'est une baisse des charges, c'est quoi ? On fait quoi pour remettre à flot des gens qui finalement n'ont pas envie de retourner à la table, ont juste envie de vivre correctement, et nous aussi d'entreprendre sans payer le double le prix des salaires. C'est aussi simple que ça la question qui se pose aujourd'hui. Hervé, la problématique des salaires qui est au cœur de la campagne, est-ce que c'est un problème politique ou est-ce qu'il faut juste augmenter la production ?
Non, c'est un problème économique et de politique économique. Économique, il n'y a pas de secret. Si on veut augmenter les salaires, soit on a plus de croissance, mais une croissance tirée par la productivité, donc ça veut dire au niveau du personnel, eh bien, plus de qualification, plus d'efficacité. Et ça, ça ne se décrète pas. Ah oui. Ça se construit. C'est l'une des options. Soit on a l'autre option, c'est-à-dire que l'on aide les entreprises pour que le coût du travail baisse et que comme ça on puisse embaucher plus de monde, payer plus de monde. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la baisse des charges sur les salaires, ça représente pour le budget de l'État 2,5 points de produit intérieur. Donc c'est déjà très lourd dans le contexte budgétaire très contraint qu'on aura d'une façon ou d'une autre, et s'affranchir de cette contrainte va être assez compliqué. Et si je n'aimais pas les charges sur les actifs, je les mets sur les retraités, par exemple. Sur d'autres personnes, il faudrait imaginer des assiettes différentes. Donc moi, j'ai quand même l'impression que la réponse structurante, c'est plus grande efficacité, plus grande productivité, plus de croissance. Ça, c'est de la politique de l'offre. C'est compliqué à mettre en place. Ça demande un effort sur la durée. C'est pas une réponse instantanée. La réponse instantanée, elle est de la nature des aides, comme on l'a fait. On l'a beaucoup fait, mais on voit que ça pose des problèmes par ailleurs. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une concentration des rémunérations entre un SMIC et 1,5 SMIC, en gros, avec une frustration chez les gens de ne pas sortir de cette trappe SMIC. Et donc, en fait, on a... Avec les 2,5 points de PIB que ça coûte et avec cette trappe au SMIC, on atteint un peu les limites. Et donc, c'est la réponse de l'offre, mais elle n'est pas instantanée. Il me reste une minute trente, je peux faire 45 secondes chacun. Bernard. Non, et moi, je ne crois pas, l'heure que ce soit en taxant plus les riches avec cette campagne anti-milliardaires, anti-entreprise, anti-investisseurs. Vous savez, moi, c'est l'idée de prendre quelque part, quoi. Oui, mais ce n'est pas les vases communicants. Alfred Sauville a dit, moi, c'était mon maître, ce n'est pas en prenant de l'argent aux riches qu'on remplira le ventre des pauvres, et ce sera ma conclusion. Très bien. Votre conclusion à vous, Jean-Philippe Cartier. Ne pas négliger les PME, nos entreprises, que peu importe ce qui se passe la semaine prochaine, qu'on continue d'être défendus. On est quand même important dans l'écosystème. Il y a une phrase qui... C'était peut-être pas mon maître, mais qui dit « Quand les gros poissons maigrissent, les petits poissons crèvent ». Je pense qu'il faut que les gens continuent… C'est de qui ? De, je ne sais pas, de mon père, peut-être, de mémoire, mais qu'il disait souvent. Et je pense qu'il faut... surtout pas oublier que la PME en France, c'est ce qui tire un petit peu toute la machine. Ne pas l'oublier et penser aussi que le sujet des salaires en est un qu'il va falloir traiter un jour ou l'autre. Merci à tous les trois d'être venus ce matin. Hervé Gouletker, Bernard Cohen-Haddad et Jean-Philippe Cartier.